En 1851, Louis de Jean, directeur du cirque des Champs-Élysées, reçoit du ministre de l'Intérieur, le duc de Morny, l'autorisation de construire un cirque pour l'hiver dans le quartier populaire du Faubourg du Temple. Bâtissez-moi un cirque pour 5000 personnes et 200 chevaux. Je sais que c'est impossible, mais voilà pourquoi je vous le demande. C'est en ces termes que de Jean sollicite l'architecte en chef de la ville de Paris, Jacques-Ignace Itorff. En l'espace de 8 mois, Itorff, croyant construire un cirque pour l'hiver, va édifier un cirque pour l'éternité. Monsieur, suivant notre désir, Son Altesse Impériale, le Prince Président, nous autorise à donner son nom au cirque que vous avez fait construire sur les boulevards, face à la rue des Filles du Calvaire. Il s'appellera désormais Cirque Napoléon. C'est en présence du tout nouvel empereur Napoléon III que le cirque est inauguré le 11 décembre 1852. Pour cette première, à laquelle le tout Paris se presse, De Jean a choisi les meilleurs artistes du moment. Adolphe Franconi, Bocher, Hooke ou encore Auriol ont l'honneur de fouler cette piste les premiers. Louis de Jean veut moderniser le cirque qui est avant tout un lieu dédié à l'art équestre. Il fait appel alors à des numéros moins conventionnels. La plus belle salle de spectacle pour les meilleurs artistes du monde, se targue de Jean à cette époque. Un artiste n'est pris au sérieux que s'il est pensionnaire du Cirque Napoléon. Cela implique un contrat d'exclusivité comme celui signé par le célèbre clown Jean-Baptiste Auriol. Ainsi, grâce à l'inventeur du trapèze volant, le Cirque Napoléon devient le lieu où l'on doit être vu. De Jean a gagné son pari, faire venir les grands bourgeois comme les petits marchands du Temple. En 1870, la France est en guerre avec la Prusse. Paris est envahi. Le nom de son souverain et les aigles impériaux disparaissent du fronton du cirque qui devient le Cirque National. 2 ans plus tard, vieillissant, De Jean nomme Victor Franconi directeur. Le Cirque National est rebaptisé alors Cirque d'hiver. Les Franconi restent fidèles à la tradition équestre et s'étonnent de voir leur public fuir vers des établissements à la renommée grandissante, comme les Folies Bergères ou le Moulin Rouge. C'est ainsi que les 4 frères Bouglione reprennent la direction du cirque d'hiver. Alexandre prend en charge l'administration, Joseph et Firmin sont dompteurs, et Sampion s'occupe de la cavalerie. La légende raconte que Sampion, l'ancêtre de la dynastie, était drapier à Turin au début du 19e siècle. Il aurait suivi une jeune et jolie dompteuse de fauves et se serait installé en France où ils auraient présenté des ménageries. La tradition se perpétue jusqu'au début du 20e siècle avec son arrière-petit-fils Sampion. Il possède alors, avec ses 4 fils, des ménageries célèbres dans tout le pays. Mais c'est grâce à un coup de génie de son fils Alexandre que le nom Bouglione va vraiment s'imposer. En 1926, Alexandre récupère un vieux stock d'affiches de la tournée que Buffalo Bill avait faite en 1904. Il décide de se servir de ces affiches et monte le Stade Circus Buffalo Bill, un spectacle inspiré du célèbre cow-boy. Les Bouglione ont fait mouche et s'est auréolé de succès. Et fort des connaissances acquises avec ce spectacle, que les 4 frères s'installent au cirque d'hiver. En 1955, après avoir visité tous les cirques du monde, Hollywood envahit le cirque d'hiver. Tony Curtis, Gina Lollobrigida et Burt Lancaster sont les vedettes de Trapèze, le film de Carol Reed. Sandrine Bouglione double Gina Lollobrigida. Ancien artiste de cirque, Burt Lancaster exige d'exécuter lui-même ses propres acrobaties. Ils vont offrir un rayonnement mondial au cirque d'hiver. De Louis de Jean à la dernière génération des Bouglione, un seul maître mot a toujours prévalu au cirque d'hiver, la passion. Ce lieu magique entièrement voué à la passion d'un art a sublimé tous ses acteurs. Immuable, il continue 150 ans plus tard à faire rêver. Le cirque d'hiver ne mourra pas, il ne peut pas mourir tant qu'il y aura des enfants.